reborn. Chaos reborn. Ha! Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui? Ha! Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Je vais te voir un truc qui m'a étonné. Ça m'a même choqué, quoi. Ha! Aïe, aïe, aïe. Les effets de l'ail sur votre santé, sur notre santé. Vraiment, ce que je vais vous montrer là, que ça vous pousse à réfléchir un peu, Oh! Un homme a testé les effets de l'ail sur des cellules cancéreuses. Quand il prend de l'ail, il approche l'ail de ces cellules cancéreuses. Ce qui se passe, c'est que les cellules cancéreuses prennent la fuite. Mais quand il prend une bague en or qui coûte très cher et qu'il approche de ces cellules, ce qui se passe ici, c'est que les cellules disent « Oh, viens chez nous !» Les cellules, ça rapproche même de la bague en or. Oh! Mais il y a des cils ou quoi? Comment c'est possible? Attendez. Nous allons le voir ça tout de suite. Allons studio. Prenez votre nappe assez ou à terre. Regardez. Wouh! Tout se passe ici sur le crâne. Oh! Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est de la blague? Regardez bien. Hein? Ouais. Et tout se passe ici. Hein. Le truc en noir là, que vous voyez ici là, c'est censé être un représentant du cancer. Vous voyez? Et voici une personne qui vient faire le test. On va prendre une bague en or, sans doute sa bague de mariage. Et on va prendre de l'ail. L'ail de qui? L'ail de Dieu. Une chose naturelle qu'elle va essayer de tester sur cette affaire. Et vous allez voir de vos propres yeux le résultat. Tout se passe ici. Vous voyez, on voit une petite, et on voit de l'ail ici. Voilà, c'est de l'ail. Et regardez-vous-même, regardez bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est une petite expérience ici pour mettre en évidence les effets de l'ail et de l'or sur des cellules cancéreuses que vous voyez déposées dans un plat. Ce sont des cellules cancéreuses là-bas, déposées dans un plat. Et on met à côté de l'ail pour voir la version bourreau. Remarquez premièrement que les cellules se rétrécissent et après s'éloignent de l'ail. L'ail repousse, on voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. Oui, on va de l'autre côté pour voir, on voit clairement que les cellules s'éloignent de l'ail. Elles s'éloignent bien sûr de l'ail. Oui. On voit clairement que là, on prend maintenant une bague en or, hein, et regardez le résultat. Les cellules ne veulent pas s'approcher de l'ail. C'est la bague en or qui est mieux. Et regardez, le cancer s'approche. La maladie s'approche de la bague. Vous voyez ça? On déplace la bague en or pour la repositionner juste là à côté. Là. Et regardez le résultat encore. De la blague, hein? Donc la bague en or que j'ai portée pour mon mariage là va me créer des problèmes. Ça risque d'attirer des trucs bizarres sur moi, hein? Maintenant l'ail qui se vend même pas très cher ici, qui a l'air simple et naturel que tu as créé là, c'est ça qui peut m'aider. Sérieux?
Comme quoi, pour se sentir bien, il ne faut pas faire trop d'efforts. Mais pour se sentir mal, il faut faire beaucoup d'efforts. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vont payer très cher pour se changer les seins, se changer les fesses. Parce que pour eux, ça sera la santé, ça sera la joie. Mais ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence qui va changer. Mais à l'intérieur, ça sera la souffrance. Ça sera des maladies. Des gens qui ont fait de telles chirurgies. Et depuis ce jour, ces gens-là ont arrêté de transpirer. C'est-à-dire, aucune goutte de sueur ne sort sur leur front ou que ce soit. C'est une femme qui a témoigné comme ça par rapport à ça. C'est quand elle a enlevé ses implants. C'est là que les choses sont entrées dans l'ordre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Une chose si naturelle comme l'ail. Regardez, l'ail. Vous n'imaginez pas quel effet ça peut avoir sur la santé. Oui. Ça repousse les maladies. Ça repousse les maladies. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui dans le travail de tout ça? Dieu est en train de nous dire que plus nous sommes naturels, plus nous allons vivre longtemps. Parce que lui, il a déjà tout programmé pour ça. Il a tout fait afin que les choses se passent selon son plan et que nous soyons en paix, nous soyons vraiment à l'aise. Ouais. Ouais. C'est pas de la blague. L'ail a des effets sur la santé. Et tout ce qui est naturel, bien entendu. Mais tout ce qui est artificiel, toutes ces choses qu'on va ramasser pour les mettre sur nous là, ça nous crée des problèmes. On ne sait pas. Ça attire des maladies, ça attire des problèmes. Vous-même, regardez juste ça encore. Regardez, regardez. Ce sont des cellules cancéreuses là-bas, déposées dans une plaque, et on met à côté de l'ail pour voir la réaction. Remarquez premièrement que les cellules se rétrécissent et après s'éloignent de l'ail. L'ail repousse, on voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. Oui, on va de l'autre côté pour voir, on voit clairement que les cellules s'éloignent de l'ail. Elles s'éloignent bien sûr de l'ail. Oui. On voit clairement que les cellules ne veulent pas s'approcher de l'ail. On fait maintenant l'expérience avec une bague en or et c'est l'effet contraire que nous remarquons. Nous remarquons que les cellules s'expandent premièrement et s'approchent de la bague en or et veulent l'engloutir. On va de l'autre côté, derrière, les cellules rebroussent chemin et s'approchent, bien sûr, sur rue vers la bague en or. C'est comme un miracle ici. Il dit c'est comme un miracle ici. Vous avez vu? Mes frères et sœurs, il y a un conseil. Utilisez toutes les choses naturelles que Dieu a mis autour de vous. Ça va vous donner longue vie. Ouais. Si vous voyez de l'oignon, de temps en temps, prenez de l'oignon, coupez en morceaux et puis mangez ça simple. Regardez. Croquez ça. Ouais. Si vous voyez de l'ail, préparez la nourriture avec ça aussi. Ou bien mangez un peu en morceaux. Là, je vous préviens. Hein? Si vous prenez un morceau de l'ail pour manger, vous risquez d'avoir de la diarrhée. Faut préparer cela. Ou bien vous mangez en petite quantité. Ah, juste un peu. Petit. Sinon, ça va chauffer. Donc là aussi, il faut faire attention. Faut pas exagérer. Restez naturel, mes frères et sœurs. Utilisez toutes les choses naturelles. Regardez un peu les femmes aujourd'hui pour avoir un teint bien joli. Elles vont acheter des produits chimiques, c'est-à-dire les pommades et tout ça. Alors qu'il y a des produits très naturels qui peuvent avoir des effets hors du commun sur la peau. Hein? Ouais. Sans aucune. Ok, renseignez-vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ha! Ça va être chaud. Soyez prêts. C'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon virement bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et
fait production. C'est parti.